C'est bientôt Noël, là. Bon, y a un truc que j'ai pas trop saisi avec Noël, c'est que... on fête l'anniversaire d'un mec qui est mort, quoi. le mec est décédé. On le connaît pas, en plus. Non, parce que moi, je suis quand même... J'ai plein de potes qui sont encore vivants. Je les connais bien. J'ai jamais fêté leur anniversaire, quoi. C'est vrai. Bon, après, j'ai regardé. Apparemment, le mec s'appelle Jésus. Bon. J'ai regardé sa fiche Wikipédia. Voilà, il s'appelle Jésus. Apparemment, le mec a tout niqué dans le domaine de la prophétie. Non, le mec est solide dans ce domaine. Bon, allez, pourquoi pas, allez. Fêtons son anniversaire, je me suis dit, bon, pourquoi... Mais à la rigueur, on fête son anniversaire. Mais voilà, on fait les choses dans les règles de l'art, on fait le truc classique. Tu viens à la maison, on fait un gros gâteau, 2022 bougies, tu souffles, on fait la teuf, tu vois, jusqu'à 12h30, on se la colle à la chartreuse. Là, on fait un anniversaire, tu vois. Non, lui, c'est pas du tout ça. Lui, il faut que tu ramènes ta famille, voilà, tu ramènes une dinde, tu la fourres au marron, tu ramènes des huîtres, des bûches, champagne, saumon de Ravlax, et le gars vient pas. Voilà. Le gars ne vient pas, quoi. C'est son anniversaire, tu vois. Parce que moi, mon anniversaire, ça m'est déjà arrivé d'avoir 20 minutes de retard, tu vois. Mais je viens quand même à un moment, quoi. Et j'ai regardé sa biographie. Apparemment, le gars prépare un comeback. Le gars prépare un comeback. Du coup, on sait pas s'il vient ou pas, quoi. On sait pas, quoi. Et nous, on est là, on est perdu, tu vois. On l'attend, on démarre le foie gras. Mais c'est pas fini. Donc le gars, déjà, il vient pas. Et en plus, faut racheter des cadeaux pour ta famille. Donc c'est même pas l'anniversaire, hein ? C'est même pas leur anniversaire. Donc déjà, bonjour le budget, merci. Alors, faut acheter mes cadeaux et il faut les livrer. Mais il faut pas les livrer par n'importe qui. Il faut les livrer par un gros livreur qui habite au pôle Nord. Avec des petits lutins. Qui se déplacent. Avec des rennes. Qui flottent. Avec un traîneau. Qui volent. Et le gars, il vient chez toi, ouais. Je sais pas ce que c'est qu'une porte. Bah. Il passe par la cheminée, alors que le gars fait 150 kilos. Et le mec doit poser les cadeaux sous un sapin. Un sapin ! Non mais je sais pas, Jésus il habite à Bethléem, hein, à la base. Hein. Il y a absolument pas de conifères dans cette région du monde. Ça n'a jamais choqué personne, cette histoire. Et ensuite, le gros livreur... C'est pas fini. Le gros livreur. Le gros livreur. À partir de tes 7-8 ans. On t'explique froidement qu'il n'existe pas. Mais à partir de maintenant, tu vas faire croire à tes enfants qu'il existe. Très très fort. Très fort. Jésus, très très fort. Jésus, très très fort. Jésus, il a tout niqué. Très très fort. Bah, il a réussi à faire un commerce circulaire basé sur son anniversaire. Centré sur son délire, sur un espèce de mystère. Et ce, depuis 2000 ans. Très très fort Jésus dans le marketing. Vous voulez que je vous dise, Jésus, vraiment, c'est vraiment un bon juif. Vraiment.